1 roi 16. Verset 28. Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, ou d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Etbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà. C'est terrible ici. Vous savez que plusieurs, n'est-ce pas, histoires bibliques, époques, périodes, ne font que se répéter. Ça veut dire que même si nous avons les Écritures qui sont là, là que nous avons entre nos mains, à part les Écritures, je dirais, nous vivons aussi ce qui est écrit, la parole vivante dans le quotidien. Ça veut dire que même si vous ne lisez pas la Bible, dans votre vie de tous les jours, vous allez, malgré vous, n'est-ce pas, expérimenter la parole de Dieu. Vous allez, malgré vous, n'est-ce pas, être confronté à des situations auxquelles étaient confrontés les hommes et les femmes de la Bible. D'accord ? Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qui existe a déjà existé. Et Dieu ne fait que ramener à la surface de la terre les choses qui sont passées. Alors, frères, sœurs, ici, il y avait un problème. On nous parle du roi Omri. C'est un puissant roi. Il a conquis, n'est-ce pas, la montagne de la Samarie, et il a construit dessus, il a construit une grande ville, la Samarie. Et il va mourir, c'était un grand général, un grand conquérant, un guerrier. Son fils Akab va lui succéder. Et la Bible dit que Akab, roi d'Israël, a fait pire, hein, a commis plus de péchés que tous les rois qu'il avait précédés. Et il va faire encore quelque chose de grave. Il va carrément se mettre en ménage. Il va épouser Jézabel, dont le nom signifie sans cohabitation, sans partage. Alors, cette femme, Jézabel, nous dit la parole, était d'origine de Sidon. Or, Sidon était le premier-né, comme vous le savez, de Canaan, petit-fils de Noé, maudit par son grand-père Noé. D'accord ? Alléluia ! Vous êtes là ? Suivez cet enseignement, ça va vraiment nous faire du bien. Noé maudit Canaan, son petit-fils. Et Canaan va voir son premier enfant qui va nommer, n'est-ce pas, Sidon. Dans Chronique, on nous en parle. Et Sidon a reçu la double portion de la malédiction de Noé. D'accord ? Parce que les premiers-nés reçoivent la double portion de l'héritage de leur père. Vous devez le savoir, c'est un principe de Dieu. Alors, Jézabel était donc une femme issue d'une lignée maudite par Noé. Et cette malédiction de Noé se traduisait par l'inceste, l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, le spiritisme, l'astrologie, d'accord ? Les Cananéens étaient des grands pécheurs devant Dieu, des grands idolâtres devant le Seigneur.
Et Jézabel, justement, était issue, n'est-ce pas, de Canaan. Frère, la Bible nous dit que le père de Jézabel était roi et son nom était Ethbaal. C'était un grand adorateur du dieu Baal. Suivez très bien ce que Dieu veut nous communiquer. Alléluia. Je tiens à nous dire que cette génération envoie beaucoup de gens en enfer. Et beaucoup de chrétiens dans nos églises vont en enfer. Beaucoup de prédicateurs vont en enfer. Parce qu'on a tellement, on minimise tellement le sacré. L'aspect sacré de l'œuvre de Dieu est bafoué par beaucoup. Complètement. Et même les personnes que le Seigneur a mises à part depuis le ventre de leur mère pour le servir sont bafouées. Parce que cette société dans laquelle nous sommes n'a plus de principes. D'accord? Donc beaucoup vont en enfer. Beaucoup. Et vous allez voir que l'histoire se répète. Une alliance. Akab entre dans l'alliance avec la malédiction de Noé. D'accord, frère? Je vais vous dire ceci. Votre percée dans votre vie, votre succès dans votre ministère dépend des alliances que vous avez avec les uns et les autres. Ah oui, écoutez très bien l'enseignement. Votre percée, la percée dans votre couple, d'abord dans votre vie personnelle. Parce que vous êtes responsable de votre propre vie. Et vous êtes responsable également de votre couple. Et troisièmement, si vous dirigez une assemblée, vous êtes responsable de ce groupe. Responsable non seulement des gens qui sont avec vous, tous les jours dans votre assemblée locale, mais également responsable des gens que vous ne voyez pas et qui croient en vous, en votre ministère. Maintenant, vous êtes appelé à percer aussi bien dans votre vie de tous les jours, vous en tant qu'individu, vous êtes appelé également à percer en couple, en tant que couple, parce que quand le Seigneur va revenir, il va juger les couples aussi. Vous serez jugé personnellement, je serai jugé personnellement, je serai jugé aussi avec ma femme de la gestion, n'est-ce pas, de la gestion de mon couple, également de la gestion du ministère. Maintenant, votre percée personnelle, familiale, ministérielle, d'accord, globale, dépend des alliances que vous tissez avec les uns les autres. Vous savez quand, dans Psaume 1, il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La Bible dit vrai. Qui ne s'arrête pas, n'est-ce pas, sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous avez été créé pour percer. Vous avez été créé pour faire des exploits. La parole nous dit dans Psaume, avec Dieu, nous ferons des exploits. Maintenant, quand dans ta vie personnelle, il n'y a pas d'exploit, quand dans ta vie de couple, il n'y a pas d'exploit, quand dans ton ministère, il n'y a pas d'exploit, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et regarde les gens avec lesquels tu as tissé des alliances. Alléluia! Tout à l'heure, une personne est venue me voir au bureau. T'inquiète pas, je ne dirai pas ton nom. Elle est venue, dès qu'elle est rentrée là, le Seigneur m'a commencé à me parler de son problème tout à l'heure au bureau, comme souvent le cas. Ce discernement qui s'aiguise de plus en plus, je le bénis parce que ça me permet de voir maintenant qui est qui. Dès qu'elle est rentrée, le Seigneur m'a dit, voilà son problème, il y a ça, 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 ça. Elle est venue, c'est pour le mariage parce qu'il y a tant, tant, tant. Et le Seigneur me fait comprendre que c'est elle-même le problème. Vous voyez, il y a des liens de famille, ça c'est clair, mais des alliances. Vous voyez, je veux dire, vous avez des problèmes de maladie, vous avez des problèmes de santé. Vous allez avoir des rapports intimes avec un homme.
Mais vous rentrez dans une alliance. C'est une alliance. Vous avez des problèmes, vous voulez percer. Mais vous passez votre temps avec les gens qui sont sous la malédiction. Mais vous êtes dans une alliance. Vous voulez percer comment? L'apôtre Paul était catégorique. Si quelqu'un, Pierre dira, Jean, même Jean, l'apôtre de l'amour, a dit que si quelqu'un va plus loin que la doctrine de Christ, il ne faut même pas lui dire salut. Vous voyez la notion de l'œuvre de Dieu qu'ils avaient? Nous, on ne l'a plus ou on ne l'a jamais eu. Mais en même temps, on veut marquer sa génération. On n'ira pas loin. Acab, Dieu l'appelle comme un roi. Et il va rentrer dans une alliance avec une femme qui avait déjà, qui est issue d'une nation maudite. Son ancêtre était maudit par Noé. Il y a des personnes, quoi que vous fassiez, leur racine est déjà maudite. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est quoi que vous fassiez là? C'est des gens, comme la parole le dit, ils sont nés pour être pris et aller en enfer. C'est fort. Nés pour être pris et détruits. Quoi que vous fassiez. Je me rappelle, dans le monde, on avait des amis, j'avais des amis, il y en a, quand ils allaient voir des marabouts, ça marchait. Dans leur famille, c'était la sorcellerie, la magie, les marabouts, les ngangas, les voyants, les quimboiseurs, parce qu'il y a la semence. Mais d'autres, quand vous essayez les marabouts, ça ne marche pas. Parce que la semence dans votre famille n'est pas une semence diabolique. Acab avait une bonne semence. La semence d'Abraham. Mais il va rentrer dans une alliance avec Jézabel. Et qu'est-ce qui va se passer, frère? Jézabel a introduit en Israël officiellement le culte d'Astarté et le culte de Baal. Ça veut dire quoi? Comprenez l'enseignement. Israël, ça c'est Israël. D'accord? Donc on peut y voir comme une famille, comme un homme. Satan était ici. Il cherchait un moyen pour introduire officiellement en Israël un culte démoniaque. Il cherchait un moyen pour amener les Juifs à l'adoration des idoles. Et maintenant, il va pousser Acab pour qu'il rentre dans une alliance avec Jézabel. Parce qu'il y a un principe dans le royaume de Dieu, c'est quoi? La parole le dit, Paul le dit. La parole le dit, l'homme quitte son père, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront, ça veut dire quoi? Si un homme épouse une femme, si la femme a des liens familiaux ancestraux, ces liens familiaux ancestraux deviennent les liens familiaux et ancestraux de l'homme. D'accord? Si la femme est maudite parce que l'homme va l'épouser, automatiquement l'homme devient maudit. C'est pour cela qu'il faut l'onction supérieure pour briser cette malédiction. Alors, il fallait une alliance de sang, c'est-à-dire le mariage. Et par le mariage, Jézabel a eu le droit, a eu la légitimité dans le monde spirituel pour introduire, n'est-ce pas, ces deux cultes, le culte d'Astarté et le culte de Baal. Astarté, lors du culte d'Astarté, il y avait des orgies. D'accord? Il y avait des homosexuels et des lesbiennes qui allaient ensemble. Et Baal était son époux, le dieu de la pluie, et Astarté, le dieu de la terre, de la fertilité. Et voilà comment ces deux démons
sont rentrés en Israël par le mariage avec, n'est-ce pas, et Akab et Jézabel. Donc, la malédiction de Noé, qui n'était pas destinée à Sem, parce que ce n'est pas Sem qui avait été maudit, ni ses descendants, mais c'était les descendants de Cam, donc Canaan, Sidon, son premier-né. Mais Satan voulait que la malédiction de Noé ait aussi des conséquences sur les descendants de Sem, c'est-à-dire sur aussi le Messie et l'Église. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va pousser Akab à tomber amoureux de Jézabel, à l'aimer et à l'épouser. Et par le mariage, Akab donne à Jézabel le droit, l'accès, n'est-ce pas? Il lui a ouvert la porte et la malédiction de Noé est rentrée en Israël. Et on a commencé à trouver des homosexuels en Israël, on a commencé à trouver des lesbiennes en Israël, la prostitution est rentrée, tout ça là, le péché, les choses qui se trouvaient, qui se pratiquaient chez les Cananéens étaient, prenaient, avaient pris vie, n'est-ce pas? Et avaient été introduites en Israël. Frère, écoutez bien, c'est toujours comme ça que l'ennemi opère. Vous recevez un ministère, un appel, Satan va tourner autour de vous, il va rôder comme 1 Pierre 5 le dit. S'il n'arrive pas à vous atteindre, alors il va tout faire pour vous avoir par le lien du mariage. Il vous envoie une belle femme ou un homme très beau. D'accord? L'homme viendra avec la parole de Dieu. Si vous êtes, comment dire, chrétien attaché à la Bible, l'homme viendra avec la Bible. Avec des versets par cœur. La femme viendra avec la prophétie, avec des visions. D'accord? L'objectif, c'est quoi? Laissez-moi vous dire les choses par l'esprit. Comme d'habitude, je ne prévois pas, je ne prépare pas mes enseignements. Je me laisse guider. L'esprit, c'est lui qui nous enseigne, et vous et moi. Bon, vous avez vu ici Israël à cette époque? En fait, plus loin, Satan voyait qui? Il voyait le Messie. Il voyait qui? L'Église. D'accord? Son corps. Satan, quand il va combattre un homme, il ne va pas combattre. Ce qu'il veut là, quand il te combat, ce n'est pas seulement ta vie qu'il veut détruire. Il sait que en toi, il y a la semence de Dieu qui peut libérer des millions de personnes. Donc en te tuant, il tue ces millions de personnes. D'accord? Et c'est pour cela qu'il va user de toutes sortes d'artifices. Il va, parce qu'il sait que l'homme a été créé pour recevoir l'amour. L'homme n'aime pas être seul. L'homme n'a pas été créé pour vivre seul. L'homme a besoin de belles paroles, aussi bien de sa femme, son mari, pour les femmes, que de ses amis. Donc, voilà pourquoi on rentre dans des liens sentimentaux les uns vis-à-vis des autres et on veut garder des amitiés qui peuvent nous détruire parce que ça nous fait du bien charnellement, alors que nous avons reçu un appel. Alors qu'il y a de l'avenir dans nos vies, de l'avenir pour nos vies. Mais combien voit-il les choses plus loin? Combien voit-il plus loin? Non. Oh, Satan, c'est un petit copain que beaucoup caressent. Non, c'est rien, Satan, on le chasse. Mais oui, mon ami, laisse-moi te dire. Il a eu de grandes personnes. Oh oui. Minimise-le et il va t'atteindre un jour. Les alliances. Il y a plusieurs types d'alliances. Il y a l'alliance avec Dieu. Il y a l'alliance, bien sûr, entre l'homme et la femme, le mariage. Il y a aussi l'alliance entre l'homme et son prochain, comme David et Jonathan. Voyez? Vous, quand vous travaillez avec quelqu'un dans un ministère, vous êtes dans une alliance. Vous devez le savoir. Parce que Dieu est le Dieu d'alliance. C'est comme un contrat. Ben oui. Toute personne que vous appelez régulièrement, vous êtes dans une alliance avec. Maintenant, au travers de ces alliances, la vie peut couler tout comme la mort peut couler.
Ah oui. Un homme est venu me voir. Il me dit, frère, je sais que c'est un jeune qui est prophète dans l'une des provinces, je ne dirais pas où. Il me dit, frère, prie pour moi parce que vraiment, je me suis marié il n'y a pas longtemps. Mais quand je vais avec ma femme, pourtant elle est chrétienne, quand je vais avec, comprenez, n'est-ce pas? Je me sens souillé. Mais maintenant, je n'ai plus à cœur d'aller avec. Comment vous voyez les choses là? Voilà. Et automatiquement, ça m'a montré un mari de nuit. Donc la femme a un mari de nuit. Et à chaque fois que ce monsieur allait avec sa propre femme, il était souillé. Et l'onction baissait. Il ne pouvait plus prier ni méditer la parole de Dieu. Les alliances. La Bible dit une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Comment des gens qui ont de l'avenir, des jeunes qui ont l'appel de Dieu, finissent-ils mal à chaque fois? Quand vous réfléchissez bien, vous regardez bien, ce sont les mauvaises compagnies, les alliances qui se sont concordées ici et là, sans même se rendre compte. Ils sont tellement liés maintenant les uns aux autres qu'ils ne peuvent plus se passer les uns les autres. Ils ne peuvent même plus écouter Dieu et ils sont détruits. Parce qu'on a cru que tous ceux qui viennent dans nos églises sont chrétiens. Ah non! Les alliances. Priez Dieu. Montre-moi le cœur de tel frère, de telle sœur. Paul dira que quelqu'un qui se dit frère et qui est, mes amis, cupide, qui est outrageux, outrageux, il ne faut même pas manger avec. C'est dans 1 Corinthiens 5. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance, que tu rentres dans une alliance là, tu vas mourir. Dieu m'a enseigné cela, frère. Ah oui. Bon. Achab entre dans l'alliance. Jézabel. Vous savez, je vais vous dire une chose. Satan est comme un huissier. Vous savez, les lois des hommes nous enseignent beaucoup de choses sur la réalité spirituelle. Un huissier ne peut pas débarquer chez vous, casser votre porte et prendre vos affaires sans mandat, sans papier, sans autorisation. Et encore moins, il ne peut venir chez vous que si vous avez, n'est-ce pas, des dettes. D'accord? Et si vous devez de l'argent à quelqu'un, l'huissier a tous les droits de débarquer chez vous. Si vous avez de, vous avez voilà, vous devez de l'argent à l'État, l'huissier débarquera chez vous, cassera votre porte, et puis voilà. C'est comme ça que Satan opère. Satan ne peut pas entrer en Israël faire n'importe quoi sans un mandat. Donc il passe par une alliance. Et maintenant, il pouvait dire à Dieu, ma servante, Jézabel, est devenue un seul corps avec Achab, ton serviteur. Donc, j'ai le droit sur Israël. D'accord? Donc, à cette époque, il y avait n'importe quoi. Et qu'est-ce que Jézabel va faire quand quand elle est arrivée en Israël? Eh bien, on a vu, hein, Jézabel a mis en place 850 faux prophètes. 400 prophètes de Baal et 450 prêtre ou prophète d'Astarté. Et la Bible nous dit que Jézabel, frère, les nourrissait tous les jours. Ces prophètes mangeaient à la table de Jézabel. Donc, Jézabel et son époux Achab étaient certainement à cette époque les plus grands employeurs d'Israël. Imaginez le nombre d'animaux qui devaient être tués pour la consommation. Pour la nourriture de ces 850 faux prophètes. Imaginez le nombre d'animaux qui étaient sacrifiés à Baal et à Astarté. D'accord? Et d'après Élie, ils avaient renversé l'autel de Dieu, donc la vérité n'existait plus. Même les Hébreux,
les enfants d'Israël croyaient maintenant que Baal était le vrai Dieu. Que Astarté était la vraie église. Baal était la véritable tête de cette église. Et à cette époque, c'est comme si les vrais chrétiens, on va dire, parce que cette époque, notre époque est similaire à cette époque. Vous avez vu, Baal était devenu Dieu. Vous savez pourquoi Baal, pourquoi ils ont pris Baal? Parce que Baal est le dieu de la pluie. Vous savez pourquoi la pluie? Parce qu'en Israël, les Juifs à l'époque étaient un peuple composé essentiellement d'agriculteurs. Donc, ils avaient besoin de la pluie. La terre était la plus grande richesse de l'époque. Les terres, ils avaient beaucoup de terres. Et il fallait deux types de pluie. La pluie de la première et de l'arrière-saison. D'accord? Une pluie pour préparer la terre à recevoir la semence et une autre pluie pour préparer la semence à la récolte. D'accord? Et sans ces deux pluies, les Juifs mouraient de faim. C'est pour cela que Dieu disait par les prophètes, demandez la pluie de la première et de l'arrière-saison. Or, ces deux saisons-là, hein, le printemps et l'automne, ces deux saisons étaient, n'est-ce pas, prophétiques, parler du réveil, ces deux types de pluie. D'accord? Et voilà que Baal, quand les Hébreux avaient faim, ils priaient Baal. Quand il y avait la pluie, ils pensaient que c'était Baal qui leur donnait la pluie. Et la terre, quand elle produisait cette semence, du blé, de l'orge, ils croyaient que c'était Astarté qui leur donnait cela. Et voilà comment chaque Hébreu avait une relation intime, pratiquement, la plupart néanmoins. À cette époque, il y avait seulement 7000 personnes qui étaient mises à part, cachées. Vous vous rendez compte, frère? Il y avait des millions de personnes en Israël. C'était même pas le 1% de la population qui adorait le véritable Dieu. Vous vous rendez compte? Et là, dans cette apostasie-là, en pleine apostasie, Dieu, dans le chapitre 17 de 1 Roi, nous dit la parole et dit à Akab, à Élie, va voir Akab et dis-lui qu'il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ta parole. Vous voyez, Dieu envoie Élie et Élie arrive et il dit à Akab, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. La confrontation. Et qu'est-ce que nous voyons actuellement depuis quelques années? Que voyons-nous dans nos pays, dans nos églises? Eh bien, c'est le règne d'Akab, c'est-à-dire des dirigeants qui n'ont plus d'autorité. Des messagers que Dieu avait envoyés qui n'ont plus leur tête sur les épaules. Des pasteurs qui n'ont plus, n'est-ce pas, qui n'ont plus de vision et qui ont fait une alliance, c'est-à-dire une alliance spirituelle. Allons voir dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Quelqu'un peut le lire? Quelqu'un l'a trouvé? Ouais. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée? Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Akab s'était attaché à Jézabel, la prostituée. Comment cela, Jézabel,
Comment peut-on dire que Jézabel était une prostituée? Bien sûr, elle avait prostitué sa spiritualité, n'est-ce pas? Elle priait à Baal et à Astarté. Donc c'était une prostituée spirituelle. Et vous voyez, et vous avez vu, mes amis, notre génération, regardez bien notre génération, c'est une génération d'alliance. Satan a compris cela. Il sait que Dieu est le Dieu d'alliance. Et qu'est-ce que Satan propose aux hommes? Eh bien, les alliances. Unissons-nous, soyons un pour être forts, Babylone. Vous voyez, les alliances, les connexions. Vous avez vu toutes ces connexions, mes amis, les fédérations, les dénominations, les pasteurs, les uns avec les autres, frères. Ils se connaissent. Moi, je sais qu'ici à Paris, là, beaucoup de pasteurs savent que le dirigeant de telle pastorale est un adultère. Ils le savent. Mais ils ne vont pas le dire. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que chacun trouve son compte. Frère, vous savez que tel individu est dans le péché, mais vous allez manger avec, vous allez à leur mariage, mais vous prenez part à la sorcellerie, vous prenez part au péché. Comment vous pouvez vous asseoir avec les sodomites, manger avec les sodomites, et vous allez vous présenter devant des enfants de Dieu et enseigner quoi? C'est pour cela que je dis au Seigneur, personnellement, je ne veux plus reconnaître les ministères pour reconnaître. C'est fini. Le temps des sentiments là est révolu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, frère? Fini. Parce qu'un messager de l'évangile, c'est quelqu'un qui se met à part pour le Seigneur. Il n'est pas orgueilleux, c'est pas un pharisien. Mais il ne peut pas rentrer dans des alliances avec les gens parce qu'il sait que sa destinée, c'est le ciel. Vous comprenez ce que je veux dire? Frère, il faut savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, mon combat, là, c'est parce que je sais ce que je veux. Frère, quand on m'invitait, oui, viens, viens, il y a une pastorale, tout ça, je leur ai dit, ça ne m'intéresse pas parce que si je vais, je vais tout casser. Je veux commencer par vous dire, écoutez, enlevez-moi vos cols blancs, là, vos collets cléricales. Enlevez-moi vos soutanes, enlevez-moi vos costumes et cravates. Arrêtez de vous comporter comme des dieux. Ça va tout casser et ils vont me lapider. Alléluia! Voilà. Frères, les alliances. Oh non, il est orgueilleux, il est dans son coin, il croit qu'il est arrivé, frère. Élie était seul dans son coin, on disait quoi là? Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de dire, Seigneur, mais vraiment quand même, il y a beaucoup de combats, hein? Tout ça, mais c'est pas possible, mais je suis seul. Il dit, mais Élie, il était comment? Les corbeaux vont te nourrir. Tu vas avoir une amitié provisoire avec les corbeaux. Ils te nourrissent et puis après, tu restes seul dans ton désert. Je vous assure, frère, c'est comme ça que le Seigneur opère. Nous sommes dans une génération. N'est-ce pas des hommes et des femmes de désert? Voilà. Alléluia. Frère, vous avez vu Élie? Dieu suscite un ministère en pleine apostasie. Mais quel ministère? Oh, que Dieu nous envoie des hommes comme Élie. Des femmes avec l'autorité d'Élie. Élie arrive et il ne va pas voir n'importe qui. Dieu l'envoie voir Akab. Il arrive devant Akab, il n'a pas dit Monsieur le président, Monsieur le roi. Il a dit pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Pas à ta parole, à toi, mais à ma parole. Et il est reparti. Il n'a pas dit à Akab, Monsieur, mon Seigneur, je veux venir manger à la maison. Mais manger dans le palais du roi ne l'intéressait pas. Voilà un vrai prophète. Oh non, j'ai vu le président, on a parlé, frère, je m'en fous. Ça peut vous choquer, c'est comme ça que je parle. Dis à ton voisin, il s'en fiche. Oh non, j'étais avec le colonel, avec le général, frère, je m'en fiche. Général ou pas? S'il est dans le péché, s'il meurt comme ça, il va en enfer. On ne va pas l'enterrer avec son titre de général. On va l'enterrer, on va dire son cadavre est là-bas.
Moi, j'aime le ministère prophétique. Authentique. C'est-à-dire, les prophètes, là, vous les lapidez, plus vous les lapidez, plus ils parlent. Ils sont quand même terribles. Jérémie dit, quand je dis je ne veux plus parler, il y a dans mes os comme un feu qui est renfermé. Et c'est plus fort que moi, il faut que je parle. Parce que l'onction prophétique, pour votre information, aime la guerre. C'est une onction qui aime l'excitation. Il faut qu'on l'excite. C'est pour cela que les prophètes sont condamnés à souffrir. Parce que ceux-là même qui les critiquent, ils sont quand même là assis. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'ils savent au fond d'eux que là, là, c'est ça. Alléluia! Frère, Élie va voir Akab, il dit, pendant 3 ans, pas de pluie. Il est reparti. Frère, oh, il faut que les messagers viennent avec la parole autorité, frère. Il y a trop la confusion. Les pasteurs disent, non, ce monsieur casse les églises, ce n'est pas possible. Il ne faut pas le recevoir, il casse les églises. Non, je ne casse pas les églises. Le Seigneur a dit, personne ne peut détruire mon église. Non, il met les espions dans les églises pour nous surveiller. Même quelques-uns de ceux qui sont avec moi, il y en a un qui a dit ça à un frère, il met des espions. Il a mis, mais j'ai mis quel pasteur espion? C'est vous-même qui mettez des espions? Et maintenant, c'est moi qui suis gourou. Mais j'aime ça. Dis à ton voisin, il aime ça. Frère, je me suis vraiment rendu compte que j'ai plus le choix. Attends, quand l'onction de l'Élie va te saisir, tu vas comprendre ce que je vis. Pour l'instant, là, tu vas même me lapider, mais ce n'est pas grave, tu vas voir. Tu vas dire, mais ce monsieur, je me rappelle, je comprends maintenant, là. Pour l'instant, là, quand ça va commencer, là, tu vas voir. Tu vas vouloir être ami avec tout le monde. Dieu va te briser de toutes sortes d'alliances. Il va briser toutes les alliances qui vont vouloir se mettre autour de toi, là. Il va les briser parce qu'il est jaloux. Il va t'isoler. Je vais vous dire une chose. Posez-moi la question. Enfin, vous savez, Dieu vient de me donner une pensée là. Quand une femme accouche, est-ce que ses amis sont là? Qui va accoucher spirituellement ici? Donc tu seras seul. La femme, quand elle n'est pas enceinte, elle a des amis, oh les collègues, oh les voisins. Quand tu tombes enceinte, frère, c'est dans le secret. Vrai ou faux? Quand elle conçoit là, les amis ne sont pas là. C'est dans l'intimité qu'elle conçoit. Le jour où elle va donner naissance, frère, il n'y a que elle avec les docteurs. Seigneur, vous voulez servir Dieu? Vous voulez engendrer des ministères? Eh bien, Dieu va d'abord vous imposer l'intimité dans le secret. Il va vous savez, la seule alliance qu'il va exiger de vous, c'est lui. Ensuite, quand vous êtes enceinte, là, vous portez la vision, Dieu va commencer à vous éloigner des amis. Parce qu'une femme, quand elle commence à voir la nausée, frère, les amis commencent à prendre du recul. On acclame. Dieu est toujours fidèle. Eh bien, les mêmes choses, les choses matérielles nous enseignent sur les réalités spirituelles. Les gens qui ont le ministère d'Élie, ils reçoivent des grossesses dans l'intimité. Voilà pourquoi Élie dit, je suis seul. Dieu dit, non, t'es pas seul. Simplement, je ne veux pas que tu sois dans une alliance avec ces hommes-là. Tu es seul parce qu'eux aussi, là, ils sont cachés. Voilà, c'est ça. Élie, il y a un mariage ici. Élie dit, j'ai pas le temps, frère. Élie, le roi t'invite. Eh non, Élie, moi j'attends les corbeaux. Alléluia. Oh Seigneur, moi je veux un puissant ministère. Mais tu sais ce que tu demandes là, frère? Élie arrive. Akab, il libère la prophétie. Et quand il a libéré la prophétie, il est reparti.
Frère, quand tu as libéré ce que Dieu t'a demandé de faire, de libérer, ne reste pas là pour papoter encore. Oh, tu sais, mon ministère, vraiment, j'ai un puissant ministère, tout ça. Oh non, mais tu sais, je me suis converti en quelle année, en telle année. Frère, libère la parole et sauve-toi. Alléluia! Parce qu'on peut te retrouver en train de manger avec Akab. C'est pas ce que Dieu t'avait demandé, frère. À côté, prophète de Baal aussi. Vous avez vu Miché? Il y avait 400 prophètes de Baal autour de Akab. Après que Élie ait décapité les 850 prophètes, Akab a encore recruté 400 autres prophètes. Et il y avait aussi un prophète de l'Éternel. Il y avait un seul, Miché. Miché était où? Enfermé. Élie donne la parole prophétique et Dieu lui dit, allez, sauve-toi. Et où est-ce que Dieu va l'envoyer? Dieu l'envoie, frère, au torrent de Kéret. C'est là-bas qu'il va. Il va aller là-bas, il va boire l'eau du torrent, tout. Il va. Dieu l'envoie. Il envoie après. La Bible nous dit qu'il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau, plus rien. Ça arrive dans le ministère d'avoir des périodes de sécheresse. C'est Dieu qui les provoque pour te tester. Et c'est là qu'on attend souvent que des millionnaires viennent nous soutenir. Frère, Dieu ne t'enverra jamais un milliardaire. Parce que sinon, le milliardaire va te contrôler. Il t'enverra des corbeaux. Et les corbeaux viendront avec juste un bout de pain et un bout de viande. C'est fini. Il n'y aura pas de surplus. Et tu manges juste ce qu'il faut. Pour que tu sois toujours dépendant de Dieu. Ah oui, frère. Parce qu'il est jaloux. Oh non, son onction nous a pourvu les gens. C'est vous qui avez un problème. Vous êtes touché, atteint par la sorcellerie financière. Par la Banque de France. Le FMI, la Banque mondiale. Nous, nous sommes touchés par la Banque céleste. C'est-à-dire, on te donne juste ce qu'il faut. Le pain quotidien. Voilà. Chaque jour, Seigneur donne. Il donne. Voilà, c'est comme ça. Vous comprenez un peu le message là? Alléluia. Il boit. Après, il n'y avait plus rien. Élie n'a pas dit, Dieu, tu es méchant. Dieu lui dit, maintenant, sauve-toi, quitte Israël. Va à Sarepta. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Frère, les veuves à l'époque étaient pauvres. Dieu ne pouvait-il pas envoyer Élie vers un président, vers Bill Gates? Hein? Frère Chora, tu sais, moi j'ai la connexion avec les hommes influents, avec les hommes d'affaires du pays, frère. Moi j'ai la connexion avec le Saint-Esprit. Et j'ai la connexion avec les pauvres, frères. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, frère. Nous devons rester dans la parole, frère. J'aime le message biblique. Frère, je ne dis pas que les riches, il ne faut pas les sauver, frère. Ils ont besoin du message. Mais quand un riche est touché, en général, il perd sa richesse. Zacharie, quand Dieu l'a touché, il a perdu sa richesse. Il dit, je vais donner le quadruple carrément à ceux que j'ai volés. Mais il a, frère, il a tout rendu. Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré ici. Tu vas rembourser tes dettes. Tes créanciers, là, tu vas tout. Voilà. Oh, j'aime la parole. Élie arrive chez la veuve. Frère, la veuve est en train de ramasser des bouts de bois pour préparer son dernier repas. Dieu envoie son grand prophète auprès d'une femme veuve, premièrement, pauvre, deuxièmement, étrangère, troisièmement. Quatrièmement, elle était en train de préparer son dernier repas avant de mourir. Et c'est auprès de cette femme que Dieu envoie son grand prophète. Non, Dieu, explique-nous souvent la parole parce que nous sommes trop incrédules. Nous ne te connaissons pas. Élie arrive. Femme, prépare-moi un petit gâteau. La femme dit non. Ce que je prépare là, c'est pour mon fils et moi. Élie dit non, vous après. Élie quand même. Elle est pauvre. Elle est veuve. Elle est étrangère. Elle est en train de préparer son dernier repas. Tu ne peux pas, Élie, toi, l'homme de Dieu, dire bon, quand même, les miettes, je vais prendre. Non, moi d'abord. Frère, tu veux voir le miracle? Eh bien, ce que tu as là, donne-le au Seigneur. Ton Isaac. Pas à l'homme de Dieu, mais à Dieu. Femme, donne-moi ton eau là. Ensuite, tu auras de l'eau vive. La femme dit ok. Parce que son cœur a été déjà préparé. Qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce que tu as là? N'est-ce pas?
que tu caresses là, la chose que tu caresses là, que tu dois donner au Seigneur là, c'est quoi là? Hein? La femme prépare, 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 et puis Élie mange. La femme regardait Élie manger, son fils qui t'a affamé. Regardez ce grand prophète hébraïque manger, n'est-ce pas? Et puis eux, ils ont mangé quelques miettes là. Ah, maman, tout ça, c'est pas grave, c'est un homme de Dieu. Pas de murmure. Une fois qu'il a bien mangé, Élie dit, Seigneur, souviens-toi de cette femme. Alléluia! Frère! Parfois, Dieu paraît compliqué. On a tellement de questions à lui poser. Parfois, on ose pas se dire, oula, pas qu'une foudre tombe sur moi, la Seigneur, tu es Dieu. Que ton nom soit glorifié. Et cette femme a été bénie. 3 ans et demi après, Dieu dit à Élie, allez, repars voir Acab. Frère, on ne peut pas paraître devant les autorités comme ça si Dieu ne t'a pas mandaté. Tu vas être corrompu sinon. Tu vas être corrompu. Par exemple, le feu président Mobutu, frère, il s'asseyait sur un fauteuil. Quand il est décédé, toutes les personnes qui étaient assises dessus étaient mortes. Sa maison de Guadeloupe, là, tout ça, c'est une province là-bas, une ville là-bas, là, dans le haut Zaïre, je crois, là, au Congo, là, dans l'Équateur. Dans sa maison, là, tout ça, les gens ne pouvaient pas y entrer. Il y avait des objets qui volaient dans tout le sens. Ceux qui ont prié pour cette maison, là, la plupart sont morts. Quand la femme du feu président Omar Bongo, président du Gabon, était hospitalisée ici à Paris, la fille adoptive d'Omar Bongo m'a appelé pour aller prier pour elle, mais Dieu n'a pas permis. C'est des gens qui avaient beaucoup d'argent. Il y a 2 pasteurs qui sont allés prier pour elle, ils sont morts. Il y a une jeune femme vierge, chrétienne, engagée, qui a été priée pour elle quand elle était au Maroc. Elle a quitté le Libreville pour aller prier pour elle au Maroc. À l'hôpital là-bas, quand elle est rentrée chez elle, elle est morte sur place. Et c'est avec ces personnes-là que beaucoup de pasteurs ont fait des alliances. Ça finance leurs œuvres, ça finance leur construction de bâtiments. Vous voulez qu'ils aient quel message maintenant, frère? Hein? Ils sont sous la coupole de ces autorités bizarroïdes. Qu'est-ce que vous voulez que ces hommes de Dieu aient un message clair? Ces hommes ne sont pas combattus parce qu'ils n'ont plus de message. Vous avez vu comment vous êtes la témoin tous à Paris ici. Combien de pasteurs que vous connaissez à Paris ici qui sont combattus? Très honnêtement, comme nous autres là. Antichrist, magicien, sorcier, faux prophète, mytho, la totale. Tout ça sur un seul homme. Vous avez déjà vu ça, frère? Dans votre génération, honnêtement, vous avez déjà vu ça? Ben voilà, posez-vous la question, pourquoi tout ça? Ben voilà, vous avez la réponse. Même ceux qui sont francs-maçons, ils sont à l'aise. Même on croirait que cette génération-là, quand tu es pasteur, il faut absolument avoir une deuxième copine. Il faut avoir trois femmes, quatre femmes pour être tranquille. Vous n'avez jamais vu. Les gens qui font les jeûnes à sec là-bas, là, dans le combat spirituel, là, ça meurt, là. Personne n'en parle, c'est pas un problème. C'est le message. C'est la vérité. Ça trouble. Ça dérange. Ça secoue. Pourquoi? Parce que Jézabel est là, sans cohabitation. Jézabel a dit à Élie que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de mes prophètes. Élie s'est sauvé. L'intimidation. Ah, Jézabel? Ah frère, dis à ton voisin, ce monsieur ne sera jamais intimidé. Vous l'attaquez, il est encore debout. Hein? Frère, vous ne voulez pas qu'il sorte? Il sort encore bien comme il faut. Et venez. Et vous allez rencontrer Dieu. Cette fois-ci, là, on va libérer des paroles prophétiques. Ce n'est pas pour maudire, mais des paroles pour dire, maintenant, là, vous allez voir. Le ciel sera fermé pendant quelques temps. Bah oui, frère. Vous savez pourquoi je me suis enfermé pendant 2 jours, là? Attention! Vous savez, frère? Je vous dis, hein? Frère, dis à ton voisin, d'ici la fin de l'année, ça va être chaud. Dieu fera la différence entre ceux qui le servent
et ceux qui ne le servent pas. Dis à ton voisin, c'est le Mont Carmel. Aha. Ma soeur Anto, c'est la différence. Papa Nat, vous allez voir la différence. Je vous dis, notez bien, d'ici la fin de l'année. Dieu m'a dit, d'ici la fin de l'année, frère, ça va être chaud. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va y avoir d'un côté des pleurs, de l'autre côté de la joie, parce que Christ sera glorifié. Ça va être terrible. Oh frère, oh my God. Dieu fera la différence. Parce que c'est ça l'onction d'Élie. Quand un message est libéré, Jézabel se dresse. Parce qu'elle veut que tous les prophètes soient dans l'alliance avec elle. Non. Et ceux qui ont la marque d'Élie, la marque de Christ, se lèvent et disent, non, nous refusons. Et nous déclarons d'ici la fin de l'année que les vrais enfants de Dieu connaîtront la vérité, frère. D'ici la fin de l'année, je déclare que le message va toucher beaucoup de Français. Je le déclare au nom de Yeshua, frère. Il faut les déclarations prophétiques. Fils de l'homme prophétise. Voilà l'onction de lit. C'est-à-dire les ossements sont là, là. Il faut des déclarations. Il y a des ossements. Il y a des ossements qui n'attendent que la parole prophétique. Je vous dis, Dieu est debout. Maintenant. Ah oui. Frère, d'ici la fin de l'année, Dieu va vous prouver, vous montrer quel Dieu, personnellement, moi, je sers là. Je vous dis ça de sa part. Il va vous montrer quel Dieu qui m'a oint, quel est le Dieu, si cette onction est de Dieu ou pas. Dieu va créer la différence. Tous ceux qui ont provoqué sa colère vont rencontrer sa colère, frère. Je vous dis, même vous qui êtes là, là, vous allez le voir. Ça va amener la crainte. Ça va amener la crainte. Parce que c'est inouï ce que Dieu va faire. Comme Moïse disait, Dieu fait quelque chose pour que les gens, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, que les gens aient la crainte de ton nom. Cette génération sera saisie de la crainte. Vous allez voir des gens quatre pattes en train de pleurer devant Dieu, là, tout ça. Là. Parce que Dieu, frère, cette épée est de Dieu. Cette parole. Des gens de Kinshasa ont appelé. Ils ont vu une épée. Ça va être terrible. Dieu veut sauver beaucoup d'âmes. Les gens ont commencé à marcher sur le sacré. Le peuple a commencé à marcher sur le sacré. Parce qu'ils ont vu pendant des années Baal, Astarté. Et ils ont cru que c'était ça Dieu. Dieu
est en train depuis des années de restaurer l'autel. L'autel. Le retour à la parole. Le retour à la sanctification. À la sainteté. Que le nom de Yeshua soit de nouveau prêché dans toute sa splendeur. Que Yeshua soit connu de son peuple. Car c'est lui le seul véritable Dieu, le chemin, la vérité, la vie. Frère, après la restauration de l'autel, Dieu dit maintenant c'est le temps du feu. Et le feu amène le jugement. Quand le feu est descendu, les prophètes de Baal ont été décapités, le jugement de Dieu. Frère, le peuple a vu que c'est Yahvé qui était Dieu. Et Dieu dit, c'est par le feu que vous verrez, que vous saurez que ce message de Dieu, que la vérité ne peut être combattue, frère. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité, frère. Car la vérité est Dieu lui-même. Dieu est la vérité. Dieu est la vérité, frère. Voilà pourquoi il a commencé à faire tous ces miracles, à guérir des handicapés, à guérir les boiteux, à guérir les aveugles, les sourds, à les sauver. Des gens qui confessent leurs péchés, qui se convertissent parce que Dieu a commencé à déverser sa gloire, son feu. Frère, la crainte de Dieu sera restaurée. Vous allez le voir. Oh oui. Les gens vont trembler devant Dieu à cause de sa sainteté. C'est un réveil de sainteté. De sainteté. De sainteté. Vous savez, Dieu veut toucher la France. Dieu veut sauver cette nation. Dieu veut sauver l'Europe. L'ennemi se lève et veut nous imposer le péché. Frère, nous refusons le péché au nom de Yeshua. Et nous voulons que la France soit touchée. Et le Seigneur est en train de nous dire, frère, que d'ici la fin de l'année, il va faire la différence. Au travers des signes et des miracles qui vont de plus en plus opérer. Au travers des conversions qui vont de plus en plus avoir lieu ici et là. Dieu va de plus en plus visiter les vrais enfants de Dieu dans les nations parce qu'il est à la porte. Il est en train de séparer l'ivraie et du blé. Il est en train d'opérer cette séparation. Oh Lord! Koria bashala la tabara baka. Thank you.
Ceux qui ont reçu le message, je vais le donner chacun à son tour. Ne vous étonnez, ne soyez pas choqués pour ceux qui ne connaissent pas ces choses-là. Le Seigneur est en train de visiter certaines personnes, de nous visiter. Chacun pourra donner la pensée qu'il a reçue de la part du Seigneur à son tour. Au nom de Yeshua. Seigneur, nous sommes devant ton trône ce soir. Père, nous demandons ta grâce, même dans la vie de nos ennemis. Nous voulons te voir élevé en toutes choses. Nous réclamons le passage de Malachie qui dit que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Fais cette différence par ta présence au milieu de ton peuple. Par les conversions, par les délivrances, les guérisons que ton Saint-Esprit opère, opérera encore. Seigneur, au nom de Yeshua, nous proclamons ta parole et nous voulons la proclamer jusqu'à notre dernier souffle. Et nous voulons te voir élever toi, Adonai, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître. Père très saint. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons les genoux devant le Père. Seigneur, merci. Ce message, ce ministère d'Élie concerne beaucoup parmi le peuple de l'Éternel. L'esprit d'Élie est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de sainteté. L'esprit de la déclaration prophétique. Lorsque le Seigneur envoie une personne avec une autorité, l'autorité d'Élie, la personne arrive dans la ville et la bénit au nom de Yeshua. Beaucoup parmi vous vont découvrir Dieu autrement, le Dieu saint. Le Dieu glorieux, le Dieu d'amour, le Dieu, n'est-ce pas, qui défend son œuvre, le Dieu des armées. Sur la montagne de la transfiguration, quand le Seigneur a parlé, frères, les apôtres étaient saisis de tremblement, de crainte. Nous sommes habitués dans nos églises parfois à la tranquillité selon l'homme. Dieu ne parle pas, Dieu ne montre rien, Dieu ne parle pas, il ne descend pas pour visiter son peuple. Frère, Dieu est saint. Dieu est saint. Et il peut parler. Et quand il parle comme ça, chacun à son tour libère le message qui l'a reçu. Père, merci. Quand Élie est arrivé, il a dit, j'ai tout fait selon ta parole. Tu feras les choses selon la parole de Dieu et non selon le raisonnement des hommes. Et parce que tu voudras tout faire selon la parole de Dieu, tu seras haï, détesté, combattu, rejeté, incompris. Ne cherche pas à ce que les gens te comprennent maintenant. Toi, continue à travailler, continue à faire l'œuvre. Et les gens, avec le temps,
verront que Dieu a véritablement marché avec toi. Voyez. Tu dois continuer à faire l'œuvre pour laquelle Dieu t'a sauvé, ma soeur, mon frère. Tu dois continuer à te sanctifier, quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, les difficultés. Ne t'arrête pas sur les hommes. Toi, avance. Toi, persévère. Même si tu as l'impression que rien ne va, n'avance. Toi, continue à avancer. Même s'il y a de l'opposition dans tes projets, c'est normal que les gens s'opposent. C'est normal que les gens s'opposent. C'est normal. L'opposition, si tu crains Dieu, est la preuve que Dieu est avec toi. Si tu es avec Dieu et que l'ennemi t'envoie des pensées impures, alors que tu te sanctifies, dis-toi que c'est une bonne chose. Parce qu'au travers de ça, Dieu veut t'élever. Femme, si tu crains Dieu, et même quand tu as l'impression que tes enfants sont combattus, c'est normal, toi ne baisse pas les bras. Ne recule pas en arrière, parce que ta maison sera touchée. Tes enfants serviront le Seigneur. Ta fille servira le Seigneur. Toi, mon frère, persévère. Écoute, ce soir, il y a un feu terrible. Toi qui es venu pour la première fois ce soir, toi qui ne comprends pas, eh bien, tu ne comprendras jamais l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, personne ne peut la comprendre. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu parle à qui il veut. Dieu sauve qui il veut, frère. Oh oui. Vous inquiétez pas. Le Seigneur rassure son peuple. Le Seigneur guérit son peuple. Alléluia. Waouh. Tu te lèveras et tu serviras le Seigneur. Vous savez, Pierre a prêché ses corneilles dans Acte 10. Pendant qu'il parlait, la gloire est tombée sur les gens. Ils ont commencé à parler dans des langues inconnues. Waouh. Dans Acte 2, quand l'église est née, 120 personnes parlaient dans des langues inconnues, dans des langues étrangères. Et les gens disaient, ils sont ivres, ils sont malades. Mais non. Dieu, quand il descend quelque part, il parle à son peuple, il sauve son peuple, il guérit son peuple, il restaure son peuple. Il y en a qui peuvent tomber par terre. D'autres, c'est parce qu'il y a des démons qui sortent. Eh bien, frère, c'est biblique. Ne soyez pas. Vous savez, quand il y a le réveil, frère, John Wesley prêchait, les gens se mettaient par terre, s'écroulaient par terre. Et les religieux disaient, non, c'est la magie, c'est pas la magie, frère. Dieu est Dieu. Alléluia. Il y a une présence de Dieu. Oh my God, aidez-la. Oh. Jesus. Oh, Jesus. Alléluia. Jesus. Jesus. Oh. Frère, même de plus, il y aura de plus en plus de Français de souche dans ce mouvement de Dieu. Parce qu'il y a un mouvement terrible de l'Esprit de Dieu qui a commencé depuis quelque temps. Oh oui, vous allez voir même des femmes françaises de souche qui vont commencer à prêcher dans la rue. Les gens vont plaquer par terre. Oh, vous allez voir des païens pendant que vous allez parler dans les trains, vous, au travail, votre patron qui va vous approcher comme ça, il va se retrouver plaqué par terre. Projeté par terre, frère. Frère, ça, la gloire, vous savez, je vous dis une chose de la part du Seigneur. Vous savez, le mot gloire en hébreu ou en grec, gloire signifie poids.
C'est quand la gloire vient quelque part, les gens sont plaqués par terre, frère. Ouvrez les yeux. Dieu visite son peuple. Dieu guérit son peuple. Jesus. Vous savez, Dieu me dit que ce qu'on a vécu quand l'œuvre a commencé là, c'est en train de revenir, mais plus qu'avant. Avant, on avait des réunions comme ça, les gens par terre, dehors, tombés par terre, plaqués. Ceux qui venaient au programme, on commence à le vivre de plus en plus. La crainte de Dieu sera restaurée dans les vies, dans les cœurs, frères, au nom de Yeshua. Ah oui. Il faut des ministères d'Élie. Il faut des ministères qui osent. Voilà pourquoi Dieu veut que tu oses. Tu vas de plus en plus oser. Tu vas de plus en plus oser te lever et parler. Tu vas de plus en plus, pas de mélange, pas de compromission, pas de sentiment. Tu vas oser parler de la part du Seigneur. Tu vas oser parler de la part de celui qui t'a appelé. Oui. L'autorité gouvernementale, l'autorité de Yahvé, l'autorité de Dieu. Et les démons des morts, les démons de sédition, les démons de la sorcellerie ne vont pas supporter la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Les démons d'impudicité vont commencer à sortir d'eux-mêmes au nom de Yeshua. Comme cet esprit de mort qui quitte ce corps, ma soeur, tu ne mourras pas. Dieu amène la vie dans ton corps pendant que je parle. Cet esprit de mort qui t'a vu maintenant dans le nom de Yeshua, tu la lâches. Pars. Fini ton règne. Fini. Fini. Oh Dieu. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Est-ce que nous pouvons tous ensemble l'acclamer? Wow. Jesus. Gloire à Dieu. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de total. Louons-le. Oh, il est là. Tu es grand. Encore une fois dans la cité. Joie de toute la terre. Et nous te disons merci. Seigneur, merci pour ta présence. Je sais que dans cette présence, tu guéris les malades. Oh, il y a beaucoup de maladies qui sortent. Une personne qui a un début de cancer qui est guérie ce soir par le Seigneur. Complètement. Complètement.
d'une femme qui a jeûné pour son mari. Le Seigneur l'a exaucé. Femme, tu as vu combien Dieu te connaît. Le Seigneur va changer cet homme. Dieu va le changer. Dieu va le changer complètement dans le nom de Yeshua. Oh Père, tu es magnifique. Le Seigneur a vu tes pleurs. Le Seigneur a vu tes larmes. Et le Seigneur veut te visiter. Il veut te visiter, femme. De plus en plus, Dieu veut changer ton histoire. Le Seigneur te connaît. Il veut changer l'histoire de ta famille. Oh oui, au nom de Yeshua. Le Seigneur va essuyer de plus en plus tes larmes, comme un père essuie les larmes de sa fille. Seigneur, tu es magnifique. Jésus fait de miracles. Jésus fait de miracles. Jésus fait de miracles. Oh. Regarde, ce soir, ta maladie a disparu, ta douleur est partie. Fini. Jésus fait de miracles. Jésus fait de miracles. Jésus fait de miracles. Il fait de miracles. Jésus fait de miracles. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On peut prendre place. Merci Seigneur. Alors vous savez, quand Dieu, dans chaque mouvement que le Seigneur suscite, je ne dis pas, attention, que c'est par nous que le Seigneur a suscité ce mouvement. Dans les nations, il y a un mouvement de l'Esprit qui a été suscité par lui-même, par le Seigneur, pour toucher son peuple. À chaque fois qu'il y a un mouvement de l'Esprit, bien sûr, il y a des choses qui paraissent nouvelles pour les chrétiens. Waouh, on se dit, mais c'est pas possible. Comment une femme peut, en chantant seulement, des gens se mettent par terre comme ça à crier? Comment quelqu'un, en prêchant comme ça, les gens peuvent se mettre à sautiller de partout? Frère, parfois, on peut dire, oui, c'est la chair. Attention, on n'a pas tout vu avec Dieu. Vous savez, à l'époque où nous sommes convertis, je n'ai pas fini l'enseignement, peut-être je finirai demain, on verra, si Dieu le permet. Je me rappelle quand on prenait la Sainte Cène, quoique étant dans la religion, dans une église pentecôtiste, on prenait la Sainte Cène, frère, on tombait à chaque fois par terre, plaqué, tellement qu'il y avait la sainteté. Une femme sataniste a osé prendre le repas du Seigneur, elle est tombée raide, elle est morte tout de suite. On avait la crainte de Dieu comme ça. Quand on se retrouvait à la réunion de prière, on tremblait tellement qu'il y a la gloire de Dieu. Et on n'avait pas besoin de beaucoup prier. Quand on se retrouvait seulement, des anges nous apparaissaient. C'était terrible. Je me rappelle une fois, je m'étais enfermé pour prier. Une femme est venue me voir et j'ai ouvert la porte. Elle a fermé ses yeux. Elle dit, le feu. Elle ne pouvait pas me regarder. Si vous êtes né dans la religion, vous n'allez pas comprendre l'évangile. Parce que pour vous, Dieu doit parler d'une manière. Il doit agir d'une manière. C'est vrai que quand il y a plusieurs prophéties en même temps, ça peut amener le désordre. Chacun doit prophétiser à son tour. Ça, il n'y a pas de problème. Mais attention pour ne pas passer à côté du réveil. Dieu, ce n'est pas seulement la connaissance de la parole. Ce n'est pas seulement la parole. Dieu est esprit. Frère, vous vous rendez compte? Quand Dieu a parlé sur la montagne de la transfiguration, les trois disciples étaient par terre. Quand il y a eu la naissance de l'église, il y avait tellement... La Bible nous dit qu'il y a eu un bruit, il y a eu un vent impétueux. Tous étaient en train de parler dans les langues étrangères. Et les gens disaient, ils sont ivres. C'est ça la gloire de Dieu.
Dieu, ce n'est pas... Vous savez, nous avons un arrière-plan catholique. Alors pour nous, c'est le prêtre qui est là. On entend les mouches passer. Alors il faut surtout pas... Vous savez, c'est... on est là, puis on entend presque pas son voisin. Ça, c'est pas Dieu, frère. Non. La sœur qui a parlé de l'épée, à qui les gens ont eu ce message-là, que l'épée de Dieu est maintenant levée. Et vous savez, quand Dieu me pousse à vous dire que d'ici la fin de l'année, Dieu va faire la différence, c'est par rapport à quoi? Il va faire la différence par rapport aux conversions qu'il y aura de plus en plus, des miracles qui vont de plus en plus opérer, qui vont vous choquer, qui vont me choquer, m'étonner. D'accord? De plus en plus de choses que Dieu va opérer, ça va nous étonner. Et les gens seront obligés de reconnaître la main de Dieu. Ceux qui sont du Seigneur, j'entends par là. D'accord? Voilà. Nos ennemis, quels qu'ils soient, nous les bénissons. Nous avons un seul ennemi, c'est Satan. D'accord? Alléluia. Mais Dieu fera la différence. Par les signes, par les conversions, et aussi par la transformation de vos vies. Parce que les hommes le veuillent ou pas, ceux qui sont de Dieu parmi vous, frères, bénéficieront de ce mouvement-là. Ils vont gagner des âmes, vont amener des âmes dans le royaume de Dieu. Que les hommes le veuillent ou pas, frères, vous êtes un peuple béni. Tout ce que tu es reçoit la gloire. Oh, il y a le pan de la robe de Yeshua. Tout ce que tu es, je loue ton nom. Chaque jour, le monde me propose d'accepter ses idées. Mais je ne peux pas parce que je t'aime. Les plaisirs me sont proposés afin de me corrompre. C'est pas possible parce que je t'aime. Parce que je t'aime, seulement parce que je t'aime, seulement parce que je t'aime. Je ne veux pas heurter ton cœur parce que je t'aime. La crainte de ton nom m'empêche de faire ce que tu ne veux pas. Pourquoi t'attrister? Pourquoi te blesser, Seigneur? Papa, je t'aime, seulement Seigneur. Parce que je veux te prouver mon amour, Seigneur, en obéissant à tes commandements, Seigneur, en les appliquant à ma vie, en les appliquant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ma famille, en les appliquant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans mon foyer. Oui, Père, je veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, observer ta loi, que ta loi, Seigneur, soit inscrite dans mon cœur. Oui, Seigneur, car c'est comme ça, Seigneur, que je pourrai te montrer que je garde tes commandements et que je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu. J'aime, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te louer. J'aime, Seigneur, te louer. J'aime te glorifier, Seigneur. J'aime, Seigneur, mon Dieu, mon roi, t'adorer, Père. Oui, je t'adore, Seigneur. Je t'adore de tout mon cœur, de toute ma force, Seigneur, de toute mon âme, Seigneur, de tout mon esprit. Oui, Père, je t'aime, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est parce que je t'aime, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce chant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, vient dans mon cœur. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Papa. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur, mon Dieu, sois glorifié.